Bonjour à tous, je m'appelle Stéphane Voissier. Je suis moniteur guide de pêche sur la Haute-Sioule où nous nous trouvons ce soir pour vous présenter une pêche en coup du soir sur la mouche de mai, puisque nous sommes au mois de juin et la mouche de mai donc éclot au mois de juin. Alors pourquoi elle éclot au mois de juin? En fait, c'est une mouche qui a été découverte à l'Antiquité. Et à l'époque, ils étaient régis par le calendrier grégorien, donc ils avaient un mois d'avance. Et donc, ils l'ont découvert au mois de mai. Et maintenant, on a conservé la mouche de mai qui fleurit chez nous au mois de juin. Voilà, donc ce soir, on va prospecter une partie sur la rivière Haute-Sioule, qui est une rivière complètement sauvage. Il n'y a pas ici d'artificialisation des parcours, en fait. Donc on est vraiment sur quelque chose de très naturel et on a la chance ce soir d'avoir une belle éclosion de mouche de mai. Donc j'espère pour vous qu'on va pouvoir vous montrer quelques belles actions de pêche et quelques poissons également. Il s'est passé quoi là? Là en fait sur un ferrage un peu appuyé, et tout simplement il y a eu une casse au ferrage. Donc voilà, ça arrive souvent sur les premiers poissons, on arrive toujours un petit peu tendu hein, en fait. Voilà, je crois qu'on est tous pareils. Et du coup un ferrage un peu appuyé qui pardonne pas puisque en pointe on pêche en 12 centièmes. Donc on pêche avec un fil extrêmement fin pour obtenir le plus de discrétion possible en fait lors du passage de la mouche. Là, vous avez la Vulgata, avec un corps blanc, comme vous venez de le voir. Et on a aussi la Danica, qui elle a le corps jaune. Donc voilà, ce sont les deux espèces de mouches de mai que nous avons ici. Là, je ne pêche pas toute la rivière, puisqu'on a des mouches, et je vais essayer de fixer les poissons, en fait. C'est-à-dire que j'avance dans la rivière tranquillement, de manière un peu posée. On pêche quelques postes, évidents, comme le ferait tout le monde. Mais là, l'idée, c'est quand même de fixer des poissons en activité, des poissons qui se nourrissent, de manière à avoir le plus de chances possible de pouvoir les leurrer avec la mouche. Voilà, c'est un peu l'idée et le jeu de la soirée. Voilà. Et bien là, on vient de prendre une petite truitelle. Alors ce soir, bizarrement, parce qu'elles ne sont pas encore fixées dessus, pas sur une mouche de mai, mais sur un petit sedge, une petite émergence de trichoptère qu'on trouve sur la Sioule. Pour que les gens visualisent ça, ce sont les petits insectes qu'on trouve dans les porte-bois, dans les petits agrégats de gravier souvent. Et ben c'est cet insecte-là. Voilà. Donc on a changé, on a enlevé la mouche de mai et on est passé. Exact. Parce qu'on cherche la pêche, il faut essayer de trouver de quel insecte se nourrit le poisson à l'instant T. Alors même qu'on voit plein de mouches de mai, il semblerait que les truites soient plus réceptives. Pour l'instant. On verra par la suite, certainement que ça va vite basculer sur les mouches de mai. D'accord. On espère. Et donc la petite truitelle qu'on a prise, c'est vraiment un poisson de souche hein, de la Sioule, c'est un juvénile. Voilà, donc qui est reparti à l'eau, qu'on a relâché sans problème, avec un hameçon sans ardillon évidemment. Durant une saison de pêche à la mouche à la truite, hein, je parle en première catégorie, donc avec une ouverture à peu près mi-mars et une fermeture mi-septembre, il y a plusieurs temps de pêche. Avec des temps de pêche où on va pêcher exclusivement en mouche sèche, comme maintenant, puisqu'on a la chance d'avoir des émergences et des éclosions et des insectes, donc on en profite pour pêcher en mouche sèche. Et le reste de l'année, il y a d'autres pêches. Alors moi, je suis un peu un ayatollah de la pêche à la mouche avec une soie quand même. Donc je favorise toutes les pêches où on a de la soie dehors. C'est-à-dire que je vais être capable de pêcher en sèche-nymphe, c'est-à-dire qu'on met une sèche et une nymphe en dessous, avec un lancer quand même de soie pour aller chercher les poissons sous l'eau. Et ensuite, on a la pêche en noyer, qui est une pêche qu'on pratique en pêche aval. Et là, on est dans une pêche traditionnelle ici, hein, puisque tous les anciens pêchent en noyer encore d'ailleurs, sur la Sioule. Donc ça, c'est des pêches alternatives à la mouche sèche,
quand on a peu d'activité, par exemple en surface, quand on a peu d'insectes, eh ben, on pêche quand même. Et on va chercher les poissons au fond avec des imitations, pour le coup, de larves, de nymphes, hein, qui seraient prêtes à émerger et se transformer donc en éphémères, en subimagos, qui vont naître, voler, se reproduire et servir de nourriture aux poissons. De pêche exclusivement à la mouche sur la Haute-Sioule. Je suis basé à Pont-Gibaud, voilà, donc j'ai choisi d'en faire mon métier. Donc vous voyez, j'ai un beau bureau, c'est plutôt agréable. Voilà, j'en ai profité aussi pour retaper moi-même un gîte. Donc je profite pleinement de ma passion et j'ai essayé de faire en sorte que ma vie tourne autour de la pêche à la mouche. Voilà, donc pour moi, c'est viscéral et surtout sur la Haute-Sioule, puisque ben, je suis vraiment amoureux de cette rivière, en fait. Voilà, c'est surtout ça l'idée. Pourquoi t'es amoureux de cette rivière ? Ben, parce que je l'ai connue tout petit, déjà. J'ai commencé à pêcher à la mouche ici avec mon grand-père, quand j'avais 8 ans. Donc moi, il y a un gros passif avec la Haute-Sioule. Et ben, je la connais comme ma poche, quoi. C'est-à-dire qu'elle peut être capricieuse. En hiver, elle est en crue. En été, elle a des eaux très basses. Les poissons sont compliqués, puisqu'on a des poissons sauvages. Donc il faut chercher, il faut essayer de comprendre. Donc c'est un peu la base du métier. Ce que j'essaie de transmettre aussi au quotidien en même temps. C'est vachement sympa. Ensuite de ça, cette rivière, on a l'habitude de dire qu'une rivière peut être coquine, c'est-à-dire qu'on va avoir, des journées avec des poissons en activité partout, ça va être incroyable, et puis des soirées comme celle-ci où on a vraiment c'est de la temporalité, c'est-à-dire qu'on va avoir des moments avec de l'activité, 4, 5, 6, 10 poissons actifs, et puis ça fait on-off, c'est-à-dire que pendant une heure, il ne va plus rien se passer. Donc bah, moi, c'est le moment où j'en profite pour regarder ce qui se passe autour de moi, pour essayer de comprendre, pour regarder les insectes, pour essayer de discerner un gobage un peu plus discret qu'un autre, pour aller le pêcher et me faire plaisir à ce moment-là. Un immense merci à Stéphane, Jean-Marc et Hubert de nous avoir emmenés avec eux pour leur coup du soir, c'était fantastique. Cette vidéo est maintenant terminée, prenez soin de vous et à bientôt.